Voilà. Merci. Merci de cet accueil. Vous avez reconnu tout le monde sur les images de Jacques Brialy. J'ajouterai trois personnes, et pas des moindres, Marie-Josée Natte et Jean-Claude Brialy, qui vont bientôt jouer Désiré de Sacha Guitry au théâtre Édouard VII de Sacha Guitry. Ils viendront nous rejoindre tout à l'heure. Et puis le fameux Terence Hill, l'homme des westerns, des Trinita, mais dans un rôle très différent, puisqu'il s'est attaqué à un remake de Don Camillo. Terence Hill, mesdames, qui a des yeux d'un bleu, sera là dans une petite heure environ. Je vous signale que ce 77e numéro de Champs-Élysées respecte l'actualité, car Champs-Élysées est une émission d'actualité, avec le théâtre, le cinéma, la peinture, le sport, et bien sûr ce soir, la chanson, tous les genres, toutes les couleurs, tous les styles et toutes les générations. Celle qui va attaquer est la vedette de l'émission. Lorsqu'elle est arrivée en France il y a déjà une vingtaine d'années, avec pour tout bagage, elle venait de Bulgarie, avec un frère, une maman et une petite valise, elle se voyait déjà comme Charles Aznavour au sommet de l'affiche. Elle a réalisé ce rêve. Maintenant, elle caresse un autre rêve, le rêve américain. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan est l'invitée d'honneur de cette émission. Bonsoir Michel. Bonsoir Sylvie. J'ai parlé tout à l'heure de rêve américain, j'ai évoqué les débuts de la famille il y a quelques années. Est-ce que ce,
Ce début de réussite, car on peut déjà parler de réussite aux États-Unis, correspond à ce que tous les Européens, les artistes européens recherchent un jour, se faire connaître outre-Atlantique. Est-ce que c'est un rêve de petite fille, ça? Non, pas vraiment. Mon rêve, en fait, était de devenir artiste. Alors, je pense que je l'ai déjà réalisé. Disons que c'est vrai qu'aussi pour un artiste, l'Amérique, c'est toujours un petit peu aussi un rêve. Mais bon, ça arrive ou ça n'arrive pas. Moi, je suis très heureuse déjà comme ça. Qu'est-ce que vous trouvez là-bas, puisque vous partagez entre la France et les États-Unis, qu'est-ce que vous trouvez aux États-Unis que vous n'aviez pas trouvé jusqu'ici en Europe ou en France? De toutes les manières, j'ai tout trouvé en France parce que j'ai d'abord un public fidèle. Ouais. Ça, aux États-Unis, c'est très difficile à trouver parce que, à part quelques grandes stars, je veux dire, qui ont un public qu'ils gardent depuis longtemps, la France est tout à fait particulière parce que le public est fidèle en France. Il est plus difficile qu'ailleurs, mais quand on aime quelqu'un, au moins on l'aime pour toujours. Et ça, c'est merveilleux. On va retrouver Sylvie tout à l'heure avec d'autres chansons, des chansons d'Eddie Vartan et de Jean-Louis Dabadie. On va retrouver maintenant quelqu'un qui existe déjà depuis presque une dizaine d'années. On s'était rencontré il y a 10 ans, vous le connaissez. Il a un style, une couleur, un ton très original qui fait qu'il ne ressemble pas aux autres. Il sait faire plein de choses, écrire pour les autres, écrire pour lui, faire de la scène. Et on va écouter une chanson très émouvante qui s'appelle Liebe. Liebe en allemand, ça veut dire amour, amour malgré tout. Écoutez bien cette chanson attentivement et regardez aussi les illustrations que Jacques Brialy va plaquer sur cette chanson de Laurent Voulzy. Nous allons retrouver maintenant celle qui est l'invitée d'honneur de l'émission avec une chanson de Jean-Louis Dabadie et de son frère Eddie Vartan, accompagnée en direct par son orchestre, Sylvie Vartan, Dimanche.
je t'aime. C'est un jour particulier. Merci. Sylvie, pour vous, le dimanche? Ah, le dimanche, c'est spécial, oui, oui. C'est un jour familial. Aux États-Unis aussi, le dimanche, c'est un jour familial? Oui, un peu partout dans le monde, sauf au Japon, je crois, où Sylvie, tout le monde travaille. Sylvie, vous avez donné une interview à François aujourd'hui, notre confrère Rodolphe Hassol, et il y a une réponse à une de ses questions qui m'a beaucoup frappé, parce que ça m'a rappelé une conversation que nous avions eue, souvenez-vous, dans un avion qui nous amenait un jour au festival du film fantastique d'Avoriaz. Vous m'avez dit, tu sais, moi, j'aimerais pas devenir une chanteuse vieillissante. Oh, ça, c'est... Je dis ça maintenant, on ne sait jamais. Mais je pense qu'il est beaucoup plus facile de vieillir pour une comédienne que pour une chanteuse. Parce qu'au fond, on peut jouer les ingénues en commençant, au début. Puis on peut jouer les femmes mariées, les femmes mûres, et puis les grands-mères, pourquoi pas. Quand on s'inscrit dans un style, c'est difficile d'évoluer, de prendre les virages. Mais ça existe aussi. Comment vous voyez dans 10 ans? Dans 10 ans, je ne sais pas. J'aimerais bien faire du cinéma. Pour changer, pour avoir une autre expérience du métier. Est-ce que vous parlez de ça avec votre fils? Qu'est-ce qu'il veut faire, votre fils? Il veut être champion de tennis, acteur? Ah oui, il a beaucoup hésité entre champion de tennis, musicien, chanteur. Je pense qu'il est très doué pour la musique. Et toujours de la batterie? Et oui, et du piano dernièrement aussi. Oui, oui. Bien, Sylvie, on va retrouver maintenant une troupe que vous connaissez bien. Et là, alors, je m'adresse directement à ceux qui habitent à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre. Voilà, du côté de Basse-Terre et de Gosier, de la Désirade des Saints, de Saint-Barth. On est content ce soir, puisqu'on va accueillir une troupe formidable. Moi, j'aime beaucoup ça, moi. Ah, vous les connaissez bien, oui. Ils avaient déjà eu un tube qui était « C'est bon pour le moral ». Alors, il y a deux, que je ne me trompe pas, hein, deux Martiniquais, deux Guadeloupéens, un Guyanais, Clémence et la chanteuse. Leur dernier tube, c'est « Vive le douanier Rousseau ». Je crois que le douanier Rousseau aurait aimé cette chanson, « La compagnie créole ». Mais on va d'abord l'écouter avec une merveilleuse chanson d'amour signée d'Abadi qui s'appelle Encore. Sylvie Vartan, et je vous signale que samedi prochain, la vedette de l'émission, ce sera un spécial d'ailleurs, sera Michel Sardou. Sylvie Vartan. Oui, comme une maison, on croit fermer son cœur. Les joies et les jours sombres, on laisse tout dans l'ombre. On range ses passions dans l'armoire au liqueur. On met sous une mousse son corps et sa peau douce. Oui, comme une maison, son cœur, sa vie, son corps. On ferme tout, mais on garde la clé encore. De gare pour les regards et des trains bleus pour les adieux. Encore du temps, sinon autant, le temps qui reste, autant de gestes, autant de mots, j'en sais de mots, des rendez-vous, des chiens et loups, encore des larmes et des alarmes, des téléphones, le cœur qui sort. Dis-le-moi, chante-le-moi, écris-le-moi, crie-le-moi. Fais-le-moi. La vie est une maison où l'on courait enfant. Les portes ferment mal et parfois on a marre. À travers les cloisons, la mémoire se défend. Il suffit d'un visage, d'une photo passée. À tant d'images, et je sais, on partage tous nos jouets cassés, mais ce n'est pas assez. Encore, encore, encore l'amour, j'en veux encore, j'y crois encore, j'en ai encore, j'en donne encore.
encore. J'étais ravi de vous accueillir, Sylvie. Merci beaucoup. Quels sont vos projets? Qu'allez-vous faire maintenant? Maintenant, je m'étais reposée déjà depuis un petit mois, quand même, après mes 92 représentations entre le Palais des Congrès et une tournée en France. Maintenant, l'année 84 s'annonce assez chargée pour moi, et je crois que les avions d'Air France vont me voir souvent sur leur ligne. Bon, oui. Et quand vous allez revenir à Paris, vous allez chanter dans quelle salle? Ah, ça, je ne sais pas encore, mais en tous les cas, au mois d'avril, je chanterai au Japon, et puis ensuite à Atlantic City. Ça, ce sera une expérience un petit peu extraordinaire pour moi. Et puis, ouais, vous pourrez aller jouer là-bas un peu? Non, je ne joue pas, j'ai pas de chance. C'est devenu le nouveau paradis du jeu là-bas, non? Oui, c'est le Las Vegas de la côte Est des États-Unis. Et puis ensuite à la Nouvelle-Orléans, et puis à Los Angeles pour les Jeux Olympiques. Alors ça aussi, c'est spécial. On vous suivra. Et puis ensuite en France. Et en France, c'est ce que j'allais vous dire. On vous suivra à distance, et puis de temps en temps, donner de vos nouvelles. Vous êtes toujours la bienvenue ici. Absolument, c'est toujours avec plaisir. Encore.